Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review et un unboxing du Clip Camp éclairage de Cachoua. Alors en fait j'avais un bon d'achat chez Decathlon, donc j'ai été voir ce qu'il y avait un peu. Et je me dis comme j'aime bien les festivals, je vais avoir Orion Camping, même si c'est pas la saison, on s'en fout. Et j'ai trouvé donc ceci, le Clip Camp éclairage. Donc en fait de quoi s'agit-il concrètement? En fait ce sont deux petites lampes rechargeables via USB. Que vous pouvez mettre dans votre tente pour éclairer à l'intérieur. Ou éventuellement dans un auvent, ou si vous avez une tonnelle, vous la mettez. Et ça permet d'éclairer en fait l'ambiance. Alors, la particularité de celle-ci, c'est qu'en fait, donc, comme je l'ai dit, elle se recharge par USB, elle résiste à l'eau. Enfin, l'eau, faut pas les mettre dans une baignoire non plus, mais sous la pluie ou quoi, ça résiste. C'est un IP x4, rechargeable par USB. C'est un 850 mAh. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pour des petites lampes, c'est pas mal. Autonomie. Alors autonomie, donc ça commence à 40 heures si vous mettez au minimum que j'expliquerai après, et jusqu'à 4 heures en 60 lumens. Alors en fait, concrètement, 40 heures en fait c'est en lumière rouge. Donc en fait, lumière rouge, c'est quand vous placez par exemple les lumières dans la tente, ça permet de voir ce qu'il y a dans la tente, mais pas à l'extérieur. Ce qui est pratique, si vous voulez vous changer, vous habiller ou quoi, vous mettez la lumière rouge, on voit, vous voyez ce que vous faites, mais on ne voit pas les ombres chinoises ou d'autres ombres qui se trouvent donc en dehors de la tente. Ensuite, donc le niveau 1, donc c'est 20 lumens. 20 lumens, c'est plus ou moins 15 mètres, là vous avez 12 heures d'autonomie. Alors, deux fois plus, donc en 40 lumens, 20 mètres, là c'est 7 heures. Et alors là, la puissance maximum que la lampe produit, c'est 60 lumens, et là ça éclaire jusqu'à 25 mètres. Par contre là, l'autonomie est fortement réduite, parce qu'on passe de 4h50. Pardon. Donc, 40 heures minimum, 4h50 maximum. Voilà. Alors, le package qui se comprend, donc en fait vous avez donc les deux lampes. Vous avez deux clips pour l'attacher en fait à la tente, soit sur un tendeur, mais on va voir après. Et ce pack-ci, en fait, qui est très très bien, c'est qu'il comporte une télécommande. Bon, vous allez dire, c'est gadget en camping, des lumières télécommandées, mais ça peut être sympa. Voilà. Parce que pour la différence de prix, honnêtement, celui-ci était à 26. Et si vous preniez le même, mais sans télécommande, ça revenait une vingtaine d'euros. Donc, je vois pas la différence de prix. Autant prendre la télécommande. Donc, voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Ah oui. Ah oui, donc en fait, oui, ça j'avais vu sur internet, donc c'est pas mal. En fait, donc vous pouvez, donc vous avez un socle de recharge USB, micro USB, qui permet en fait de recharger donc 5 lampes en même temps. Donc en fait, elles se clipsent l'une dans l'autre, et vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Rayon de 120 degrés pour l'éclairage. Hop, pardon, excusez-moi. Hop. Alors, donc nous avons quoi? Donc nous avons. Ah ben, la télécommande. Pratique. Alors, oups, le ticket de caisse. Alors, donc on a le filet de transport, ça c'est pas mal. Comme ça on met tout dedans et c'est pas perdu. Alors, ah voilà, donc ça c'est le fameux kit USB. Voilà, kit USB pour la recharge. Alors, une notice. Ah voilà, et donc ici, donc, l'USB micro USB. Parce qu'en fait, ce qui peut être pas mal, c'est que donc vous rechargez donc soit sur votre dans votre voiture via l'USB. Mais bon, maintenant tous les chargeurs, bon, c'est les chargeurs universels, disposent de ce chargeur-ci. Donc en fait, ce qui peut mal, donc hop, et non, c'est toujours l'un dans l'autre, voilà. L'USB, vous le transformez en sortie en fait femelle, comme les téléphones et les smartphones de maintenant. Comme ça, ce qui fait que vous pouvez le recharger avec un chargeur de smartphone. Voilà, donc vous chargez directement vos lampes avec votre chargeur de téléphone. Donc c'est plutôt pratique. Alors, ensuite, nous avons quoi? Ah, donc ça, c'est un clips, deux clips. Alors, les clips, donc en fait, hop, j'avais vu ça sur internet, parce qu'en fait, j'aime bien me documenter avant d'acheter quelque chose. Donc, en fait, ceci, c'est du métal. Le clip, c'est aimanté. Voilà. Et alors, en fait, ça, vous l'accrochez à un tendeur, par exemple, à l'extérieur de la tente. Vous le faites tomber, on va dire, au-dessus de la tente, donc ça, il est dans le vide. Et en fait, où la lampe va s'accrocher? De l'intérieur de la tente. Voilà. Comme ça, en fait, elle est tenue à l'extérieur, mais la lampe est à l'intérieur. Et en fait, ça, comme ça, ça gêne pas. C'est entre la toile et l'extérieur, donc il n'y a pas de problème. Elle peut être également
orientable. Voilà, donc si vous la mettez comme ça, elle sera orientée. Si vous la voulez plus comme ça, voilà, c'est vous qui voyez. Mais ça, c'est pas mal. En même temps, ici, ce petit crochet, ça peut être sympa pour accrocher soit directement un piquet ou quoi comme ça. Ou alors, si vous avez un sac à dos, vous l'accrochez à la hauteur du sac à dos. Voilà, donc une et deux. Et alors, donc, le plus important, voilà. Oui, bon, les couleurs, c'est rose et bleu, hein. Parce qu'en fait, l'autre était orange et bleu, mais alors l'orange, j'étais pas fan. Parce qu'en fait, l'orange était mat. Donc du coup, je me dis, comme l'éclairage, si c'est un mat et un transparent, il y aura une différence de couleur. Donc ici, j'ai pris rose et bleu parce que c'est fort transparent. Et parce que c'est la nouvelle collection, donc je me dis qu'il y aura peut-être moins de soucis. Alors, comment ça fonctionne ce bidule? Alors, Cachot a l'art aussi de faire des trucs. Bon bah tant pis, on va la faire à la moi-même. Ou pas. Voilà. Ah, voilà. Ils sont ingénieux hein, chez Decathlon. Ils sont ingénieux. Hein. Un petit carton pliable, et hop, ni vu ni connu. Voilà. Alors. Ah, donc en plus, vous avez en plus le petit pour dire de les poser, par exemple. Voilà. Alors, on va les synchroniser. Donc, on appuie dessus. Normalement. Voilà. Et donc, théoriquement... Bon, ils ne sont pas chargés, peut-être. Hein, donc, on va voir. Évidemment, c'est pas chargé. Voilà. Ah, voilà. J'avais pas synchronisé. Voilà. J'avais pas synchronisé. Donc, on allume une fois. Voilà. Alors, on les éteint. Et alors, du coup, maintenant, avec la petite télécommande magique, normalement, croisons les doigts. Et voilà. Donc, la lumière rouge, donc qui permet d'éclairer dans la tente. On appuie deux fois, ça s'éteint, vu que ça reste longtemps. Par contre, si on appuie plusieurs fois directement, donc on change la puissance. Donc, rouge, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puissance maximum, et puis hop, on éteint. Maintenant, vous rentrez dans la tente, rouge, voilà, vous changez, vous allez dormir, on rappuie, et hop, ça s'éteint. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de passer dans tous les modes et d'éclairer dans la tente. On appuie directement, donc hop, j'allume rouge, voilà, on papote, on se déshabille, on va dormir, on rappuie, tic, ça s'éteint. Et si vous voulez avoir deux niveaux, vous appuyez 1, 2, voilà, on rappuie, 3 niveaux, 4 niveaux, voilà. Donc, je vais essayer de voir si on sait faire. Alors, j'allume deux, j'attends, deux niveaux, j'attends, je rappuie. Ah non, là par contre, ça éclaire tout de suite. Donc là, par contre, quand on éclaire, ça fait les trois modes avant de s'éteindre. Par contre, rouge, là, c'est bon. Rouge, en fait, c'est vraiment prévu pour l'intimité. Donc, dans la tente, comme ça, on n'éclaire pas. On rappuie, ça s'éteint directement. Ça, c'est pas mal. Donc, la télécommande, les deux clips, les deux lampes. Alors, ici, donc, on va regarder. Donc, en fait, pour le rechargement, c'est simple. Alors, hop. Vous avez ici une petite tute en métal qui, en fait, permet de faire, comme vous l'avez compris, le conducteur. Et également, au verso, le conducteur. Donc, en fait... Le but du jeu, c'est de mettre le conducteur sur le conducteur, tout simplement. Alors, hop. Et voilà, on pivote, tout simplement. Et hop, parfait. Même chose pour donc, le chargeur. Donc, hop. Et on tourne. Voilà. Bon, je vais brancher ça sur mon PC. On va voir. Enfin, sur mon clavier. Alors, évidemment, c'est dans l'autre sens. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Hop, je sais pas si on va le voir. Mais c'est rouge. Voilà, donc c'est rouge comme ça charge. Voilà. Et en fait, on peut en mettre jusque 5. Donc là, je suis à deux niveaux. Je vais avoir un peu le clavier. Voilà. Là, on a deux niveaux. Bon, on peut encore rajouter 3 pour arriver à 5 maximum. Et donc, c'est bien rouge parce que ça charge. Tant que j'y suis, je vais les laisser charger. Et donc, voilà. Donc, c'était le petit review et unboxing donc je ne sais plus le nom, Clip Camp de chez Cachoa. Donc, un accessoire assez pratique. Pas forcément uniquement pour le camping, parce que si vous faites de la marche ou quoi la nuit, ben, vous pouvez les accrocher sur vous, hein, dans votre dos par exemple, et ben, l'allumer à distance, quand il commence à faire noir, vous l'allumez, vous l'éteignez, vous pouvez même en mettre un derrière en rouge pour signaler que vous êtes tout prêt, et vous mettez donc la puissance maximum devant pour dire de voir où vous allez. Donc ça, maintenant c'est un peu à vous de voir, et la télécommande qui est assez pratique, toute petite avec une petite dragonne là, c'est sympa. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et ciao, bonsoir.